Bonjour, je m'appelle Saloua, je suis danseuse orientale, professeure de danse orientale, chorégraphe et j'ai mon école de danse orientale à Bruxelles. Et depuis un moment, j'étais en train de me poser des questions sur peut-être faire une reconversion de travail parce que voilà, ça fait 20 ans que je fais de la danse orientale et je ne rajeunis pas. Et donc, je me demandais quoi faire. Et c'est à ce moment-là que Gudrun m'a parlé de Sumba. Et donc, j'ai rejoint Sumba en juin 2019. Et en fait, la raison en est que je me suis dit que voilà, une des manières de me reconvertir était de faire des cours online. Alors, au départ, voilà, je ne savais pas trop si j'allais donner vraiment des cours online de danse orientale. Finalement, en réfléchissant et sur les choses que je pouvais offrir en dehors de juste les cours de danse orientale, je me suis rendu compte qu'en fait, étant professeur et chorégraphe, j'avais plus de choses à offrir que juste les cours de technique de danse orientale. Et c'est ainsi que j'ai développé le concept de la chorégraphie, donc créer sa propre chorégraphie. Donc ça a été le premier cours que j'ai créé en ligne grâce à Sumba. Au départ, j'étais pas sûre que cela m'aurait convenu. D'abord parce que c'était, je trouvais ça, voilà, une certaine somme à devoir débourser dès le départ. Heureusement, il y avait les facilités de paiement, donc on pouvait payer en 5 fois. Mais aussi, surtout, je me disais quand même, c'est une sacrée somme pour un an. Et puis, je sortais aussi d'un moment où voilà, j'avais dû payer une grosse dette pendant très longtemps, pendant 7 ans. Et là, je venais juste de finir de payer cette dette et je me suis dit, parce que c'est vraiment le moment où maintenant, je commence à être un peu, à ne plus avoir cette corde au cou, me remettre encore dans un autre financement. Et puis finalement, voilà, j'ai fait un hot seat avec Sigrun et elle a eu les mots justes. En fait, cette somme-là, c'est pas la même chose d'avoir une dette, c'est voilà, de l'argent qui a déjà été dépensé, qu'on rembourse. Ici, c'était vraiment un investissement que je faisais en moi. Et pour cette raison, ben voilà, c'était quelque chose qui me permettrait justement d'avoir une nouvelle perspective dans ma branche, dans mon travail. Alors, qu'est-ce que Sumba m'a apporté? Ben déjà, le fait que dès que je me suis inscrite, 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, je créais mon tout premier cours en ligne de 4 semaines avec le concept de la Summer School qui est maintenant devenu le Kickstart, je pense. Ce premier cours, j'ai pu le tester et à la fin de ce premier cours de 4 semaines, j'ai pu avoir ma première cliente online, donc sur un cours particulier qui a payé 700 €, somme que je n'avais jamais eue pour un cours de 6 semaines, donc à raison d'une fois, d'une heure par semaine. Ensuite, en dehors de ce fait là, j'ai pu relancer ce cours là maintenant au mois de novembre. Et ben voilà, j'ai pu le vendre cette fois-ci, puisque la première fois, il était gratuit. Et cette deuxième fois, j'ai pu le vendre à 197 € et j'ai quand même eu 5 personnes qui l'ont acheté à ce prix-là, plus des personnes qui avaient fait le cours pendant l'été et qui ont pu le racheter à moitié prix. Et donc, il y en a eu 3 comme dans ce cas-là. Et j'ai pu faire encore 2 ventes de cours particuliers à la fin. Donc finalement, en 6 mois, ben, j'aurais remboursé en fait les 3 000 € que m'aura coûté Sumba à l'entrée. Et sans tenir compte que, en dehors de l'argent, ben, j'ai appris à faire un lancement de cours. J'ai appris à beaucoup de bases de marketing que je n'avais pas à la base. On a fait le live Sumba à Zurich au mois d'octobre et ça c'était vraiment un booster parce que en dehors d'apporter plein d'énergie pour le travail, ça a apporté plein d'idées. Donc j'ai pu rencontrer des gens formidables qui étaient dans le même cas que moi, qui sont toutes des femmes entrepreneurs qui ont envie de se lancer, de prendre leur vie en main et de faire vraiment du business online. J'ai rencontré des chouettes personnes avec qui je suis devenue amie dans la communauté Sumba. Donc voilà.
voilà, ça ne m'a apporté vraiment que des choses positives. Et alors, Gudrun a joué vraiment un très grand rôle parce que, en passant par elle, en fait, je me suis retrouvée dans le groupe de ces samba bébés, comme elle aime bien les appeler. Et donc, on était un petit groupe de 5 ou 6 personnes et on s'appelle chaque semaine pour faire un point de où on en est dans le business, brainstormer sur les idées, brainstormer sur les prochaines étapes à faire. Et ça a été vraiment quelque chose qui permettait d'avoir un suivi. Parce que parfois, c'est pas évident quand on doit étudier par soi-même, de vraiment se tenir au calendrier, de se dire voilà, telle date, telle date. Mais le fait d'être en communauté, de travailler ensemble, de lancer les choses ensemble, ben, on se soutenait mutuellement quand on avait des doutes. Voilà, on se parlait, on partageait nos doutes, on se donnait mutuellement des idées pour avancer, pour sortir. Parfois, on était bloqué par certaines choses. Ben, mutuellement, on s'entraidait, on s'est donné plusieurs idées. Et donc, voilà, le mastermind a été avec Gudrun, a été vraiment quelque chose. Donc, si jamais vous voulez rentrer dans son bas, c'est vraiment une bonne manière de le faire via quelqu'un, enfin via Gudrun ici en l'occurrence, parce que vous serez dans cette énergie de masterminding hebdomadaire. Et ça a vraiment fait la différence. Voilà. La perspective, c'est que ben, voilà, maintenant, grâce à tout ça, j'ai réfléchi à mes prochaines idées de produits que je vais faire en ligne. Et donc, j'ai déjà donc mon premier produit ici qui est ma Summer School, je vais déjà la relancer peut-être 2 ou 3 fois sur l'année. Donc, ça me permettra d'avoir des rentrées régulières. Je vais essayer d'avoir de plus en plus de clientes en cours particulier. Donc là, en l'occurrence, depuis que j'ai commencé Samba, ben, j'ai quatre clientes en cours particulier. Online, donc je précise bien, ça n'a rien à voir avec les clientes que j'avais déjà en cours particulier offline. Et aussi, j'ai voilà, la perspective d'avoir peut-être un cours signature, donc qui durerait sur 1 an, qui coûterait beaucoup plus cher, qui coûterait genre 3 000 ou 4 000 euros. Et j'ai déjà l'idée d'un autre produit que je pourrais vendre à 10 000 euros. Et donc tout ça, c'est grâce au brainstorming et à l'énergie que donne Sigrun lors des différents hot seats, du live qu'on a fait en octobre, enfin toutes les choses, voilà, et aussi le fait d'être dans cette communauté de femmes entrepreneuses, dans le groupe de Sigrun, de voir les autres réussir, donc ça donne du pep, ça donne vraiment de l'énergie et c'est très porteur. Donc voilà, mon expérience avec Samba.